Hey guys, bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Je pense que vous allez passer une très bonne fin de semaine. Ici, Maître Ben à l'antenne. Je dis à ça non pour vous, c'est comment on est capable de faire l'argent avec un site niché. Avoir un site de niche, ok? Eh bien, l'exercice de vidéo, ça va nous faire le devoir pour que nous portions plusieurs moyens que vous êtes capables de faire l'argent online. Si vous êtes friand d'Internet et que vous voulez gagner de l'argent en ayant un ou plusieurs sites Internet, alors les sites de niche sont à conseiller. Il s'agit de trouver une niche, c'est-à-dire un thème qui est particulièrement lucratif. Vous ferez donc un site sur ce sujet et vous y mettrez de la publicité afin de gagner de l'argent sur Internet. Ok? Nous pas jamais suspendu que Internet là, il y a un pile moyen, il y a un pile façon pour nous capables de faire l'argent. Eh bien, mettez brain nous d'ailleurs, ok? Eh bien, pour que nous capables de faire mind, nous travail pour que nous faire l'argent sur Internet. Pendant que nous sommes à la caille nous, dans le confort la caille nous, sous fauteuil nous, ok? Sous sofa nous, et puis notre travail n'a fait l'argent. Même gens, moi-même, que ma Feli à l'heure actuelle, j'utilise l'Internet pour gagner de l'argent. Ok? Et n'a dit ou que, eh bien, garder vidéo sur YouTube, même Jean Johnson Napoléon, on toujours dit, si ce pas garder Fatra sur YouTube, si ce pas chercher Fatra sur Internet, garder des bagages sur Internet qui sont capables utiles, nous garder des bagages qui sont utiles sur Internet. Ok? Restez à savoir comment trouver une niche qui rapporte de l'argent. Il existe, entre autres, plusieurs moyens pour faire cela. Ça veut dire pour savoir quelle niche eh bien, qui est lucrative. Et notamment d'analyser les mots-clés. En analysant les mots-clés, vous saurez si ces derniers sont potentiellement rentables. Vous avez des outils qui permettent d'analyser les mots-clés et de voir s'ils seront rentables ou non, et surtout le niveau de concurrence sur ces mots-clés. Vous pouvez utiliser l'outil Yuda Insight. Ok? Vous pouvez utiliser cet outil qui est Yuda Insight. Ok? Yuda Insight. C'est monitorer votre performance digitale. Ça veut dire ça, c'est site dans ça. Ou après là, il y a du Project Clients, ok? Site Benchmark, ok? Il y a du là, c'est donc des projets de clients, ok? C'est Project Clients. Là, je viens des sites, eh bien, qui sont des sites benchmarkés, des mots-clés analysés de position de Google. Ça veut dire ça, c'est quantité de travail que site ça fait déjà depuis qu'il existe. Ça, c'est interface site ça qui est Yuda. Ça veut dire utiliser Yuda et me la montre qui mot clé que moun cherche sur internet plus. Ça veut dire un produit quoi vendre ou un site internet ou besoin connait dans qui niche qu'on voulez et bien travail ou voulez repérer ou et bien Yuda lui permettre qu'on fait ça pour joindre qui mot de qui eh bien mot clé que vous cherchez sur internet plus un bien ça permettre qu'on ait ce qui sujet que ou même ou voulez chita pour que ou traiter. Ok? Et puis si vous souhaitez trouver des niches internationales, vous pouvez utiliser Langtail Pro comme logiciel. Interface, c'est comme ça, Langtail Pro. Increase your site traffic with the Langtail way. Ok, ça veut dire que la permettre que vous voyez qui mot clé, ok, là vous allez sur internet, qui mot clé que, eh bien, vous même vous cherchez plus et sous, eh bien, internet. Et puis nous gagnons extension Chrome ça tout qui c'est keywords everywhere. Keywords everywhere. Ça veut dire de pouvoir aller sur Google. Ou aller sur Google, eh bien, quel que soit
ça que vous cherchez sur Google. Par exemple, si vous cherchez sur Google, là, par exemple, dropshipping. Ok, vous cherchez dropshipping. Ok? Dropshipping. Ok, vous cherchez dropshipping. Et bien, qui ça keywords planner fait? Et bien, il dit là, mais combien fois que moun cherche dropshipping sur AliExpress, surtout aux États-Unis? Ok? Ça veut dire, moun cherche question dropshipping sur AliExpress 4400 fois aux États-Unis. Je cherche dropshipping sur Shopify 1000 fois. Je cherche dropshipping sites 880 fois. Je cherche dropshipping, eh bien, sous question supplier ou bien fournisseur d'eau 10 fois. Ça veut dire là où tout est, soit ap écrit, et bon, ou vle écrit sous question dropshipping, et bon, ap écrit sous comment moun fait dropshipping avec AliExpress. Parce que c'est lui-même que moun cherche plus. Et bon, je n'en pile moun, et bien, kap tombe sous site ou et bien, pote trafic ba. Ok? Ça veut dire, ba ou pa gen magie là. D'ailleurs, c'est tout simplement utiliser brain ou utiliser mindset ou pour que ou capable faire quoi. Ou bien, ou capable tout simplement, eh bien, venir là, sur Google. Ok? Ou venir sur Google, ça veut dire que, je vais chercher avec Google France. Ok? Ou venir là. Ou venir là. Ok? Et sous Google France, on est tapé comment, ok, ou tapez comment ou bien comment faire, ou ajouter tout ça moun yo chercher sur internet. Regardez ça moun yo chercher sur internet, comment faire un CV, comment faire des crêpes, comment faire des pâtes, comment faire un résumé, comment faire des croissants, comment faire une rédaction, comment faire un compte rendu. Ok, comment faire un compte rendu, comment faire de l'argent en ligne. Ça veut dire c'est tout ça que vous cherchez sur internet. Eh bien, c'est tout ça que vous cherchez sur internet. Eh bien, même si qu'on a besoin d'écrire, on a dit bon, m'a écrit sur comment faire de l'argent online. Ok, c'est sur ça que m'a écrit. M'a écrit sur comment faire de l'argent online. Eh bien là, où jouez des idées que Google lui-même qu'elle va où lorsque on est tapé comment faire. Ok, et puis au cabinet à tout carré. Comment créer? Ouais? Comment créer? Et moi, je vais jouer tout mot clé que mon habitude cherche. Regardez. Comment créer un blog? Comment créer une application? Comment créer un site web? Comment créer une chaîne YouTube? Comment créer un compte YouTube? Comment créer un channel YouTube? Ok? Et je cherche avec différents types de mots. Comment créer une adresse mail? Comment créer un logo? Ça veut dire que je vais jouer mais qui niche, mais qui, eh bien, mots clés que vous cherchez sur internet plus et mais au même pour qu'on capable qu'on est sous qui thème sous qui niche pour qu'on écrit et sous qui niche qui plus rentable. Ok, non pas moi c'est Maître Ben, merci parce que vous avez choisi et bien merci parce que vous avez regardé vidéo ça en fait. D'accord, n'a pas demandé abonner avec channel là, liker et puis partager vidéo. D'accord, merci, n'a pas tourné on l'autre. D'accord.